Bon, allez, hein. On est parti les gars, on ne saura même pas ce qu'il va nous dire. C'est chiant, ils ont pas mis les sous-titres cette fois, vraiment, c'est vraiment pénible. Bah pour l'instant, Plus j'ai de rien budget. d'intéressant. Plus de budget pour les sous-titres. Plus de budget. On parle anglais tranquille. Il va parler de tout ce qui est arrivé pendant le festival jusqu'à maintenant. Bon souffle. Là, il va dire. Alors, en fait, là, il va dire regardez ce qu'on a eu à la partie 1. Alors que c'est pas du tout une D'ailleurs, je partie comprends 1, pas pourquoi il y ils a les ont deux pas sorti parties. les deux d'un coup, hein, qui faisaient partie de la même partie. Ouais, c'est un scandale. Moi, je suis pas d'accord du tout C'est avec un ça. Mais... scandale. Surtout que le format, en fait, ça dérangeait pas de les mettre ensemble ou pas. Mais oui, Vu mais. qu'il reste à 1200 PZ, c'était pareil, quoi. Ça le renforce encore plus par le fait qu'ils disent que, selon eux, c'est une partie. Donc, dans ce cas, ils pouvaient très bien mettre un double partage. Genre, c'est abusé. Charlotte Giblet, on va être surpris, 28 minutes. Bon, ok, bon, c'est vraiment résumé pour l'instant, les gars. Je vais baisser le son, ça sert à rien. Ouais. Il est juste en train de parler de tout ce qui est sorti jusqu'à maintenant avec le Hub GT et le Hub Dragon Ball Super. Dit comme ça, moi, ça me fait penser éventuellement au Hub DBZ, hein, mais bon, on verra. Un petit peu plus tard. Bon, par contre, en fait, ils ont pas du tout montré un perso directement. Qu'est-ce qu'ils racontaient dans la news? Après, au début de l'émission, ça veut pas dire au tout début, mais on peut dire dans les 3-4 premières ça minutes. Ça se pas d'ultra, on aura. Ah, c'est là? Quoi? Déjà? Oh, c'est Broly! Oh, ça va être Gogeta Blue! C'est Gogeta Blue Ultra! Oh, c'est incroyable! Oh, Gogeta Blue Ultra, c'est incroyable! Oh, c'est Gogeta Blue Ultra, sa mère! C'est sûr! C'est notre maman, le chat! Allez, Gogeta! Oh, c'est Gogeta Blue Ultra, c'est incroyable! Les gars, Gogeta Blue Ultra, ça va être! J'aime bien quand ça monte! On a parlé de la musique! Oh, je reviens pas, ça va être Gogeta Blue Ultra! Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Oh la dinguerie, les gars! Gogeta Blue Ultra, ça va être, les gars! Je reviens pas! C'est Gogeta! C'est Gogeta, les gars, c'est sûr! Oh, ça va être Gogeta Blue Ultra! L'ultra du festival Gogeta Blue! C'est trop, c'est Zenkai de Gogeta Blue? Ah, c'est Gogeta, les gars, c'est sûr! La plus belle hype de ce jeu! Ça va être Gogeta Blue Ultra! C'est cool, c'est cool! C'est ce qu'il fallait de toute façon. Et là, ils vont pas bleu. Mettre le Gogeta Blue, ils vont mettre le nouveau, je pense. Oh, ça va être fou! Ah, oh, ça va être incroyable. Ça va être fou, les gars! Le perso des hommes, le perso des hommes! Et on est 5000! Mais on va le voir maintenant! Allez là! Gogeta! Oh, allez, sois beau! Oh! C'est Gogeta Blue Ultra, les gars! Oui. Allez, sois beau! Gogeta Blue Ultra, sa mère! Oh, c'est incroyable! Oh mon dieu! Il est. Oh là là, il est saisi! Oh non, les gens! Oh là là, l'artwork! L'artwork, c'est incroyable! Oh mon dieu, mais il est trop beau! Non, mais je lui fais un. Oh, c'est la verte de Kaioken! La carte verte, oui, c'est la verte de Kaioken! Oh, il est trop beau! Oh, il est incroyable! Oh là 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 là! Oh! C'est quoi ça? Oh, il est trop beau! Oh, c'est comme lui, ok? C'est sa verte, ça, c'est sa verte, ça! Armure Blast! Il est stylé, sa mère! Nous, oh la Blast, elle est trop stylée! Allez, regarde-nous le jeu! Regarde-nous! Montre-nous, montre-nous l'ulti! Fais kiffer, s'il te plaît! Fais bien! Oh mon dieu, fais bien! Oh, il est trop stylé en vrai, il est vraiment beau! Oh, le chat divin spirituel, let's go! Il est stylé, le petit gars, que j'étais à Blue! Let's go! Oh, l'artwork, c'est le meilleur artwork du jeu. C'est le meilleur artwork de l'histoire des jeux Gacha. Ah, il est incroyable. Mon dieu, il est tellement beau. L'artwork, il est débile. L'artwork est débile. L'artwork est débile, les gars, vraiment. Il est all time, le perso, il est all time. C'est le plus beau ultra, les gars, on est d'accord, non? Ah oui, par contre, ouais. Juste la pose de victoire, je suis pas trop trop chaud. Mais par contre, c'est vrai que le reste, c'est magnifique. L'ulti avec les deux boules, le châtiment spirituel. Le châtiment spirituel, ouais, les deux boules de ki là. Bon bah les gars. Enfin, on a notre poulet, putain. Giga patate, à un moment, il y avait le fond enflammé, c'était oui, oui. Incroyable. On a enfin notre poulet, les gars. On a notre poulet, bordel. Gogeta Blue Ultra. Vous avez vu quand il décale l'aspect de Broly? Oui, j'ai vu ouais, ça. C'est incroyable ça. C'est une carte verte ça du coup. Okay, okay, on va oh là là, putain, mais j'en reviens pas les gars, c'est Gogeta Blue Ultra, sa grand-mère là. Je crois que c'est une cover. Oh mon dieu, c'est magnifique. Mais l'animation ultra, mais c'est. Bravo. Et on n'a pas vu l'animation en 3 scènes si? On l'a vu, je m'en rappelle plus. Très beau. Ah si, on l'a vu. Ultra qui est beau.
Ah ouais, ça, oh, bon, ça c'est incroyable. Oh là là, non, c'est magnifique. Sincèrement, je suis trop. Oh là là, l'artwork il est all time. J'en ai c'est le meilleur artwork de l'histoire. C'est quoi cet artwork de fou, les gars? J'ai jamais vu un Gogeta aussi beau de toute ma vie. C'est. Oh là 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 là. Waouh, waouh, waouh. C'était bien la verte du Kaioken. C'était bien un teasing, ces enfoirés. Oh là 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 là. La cover, ça. La cover strike. La cover strike. Du coup, il a double mise à cover parce que c'est Gogeta Blue Trash, j'en reviens pas. On a un nouveau Gogeta Blue Trash. Là, je crois qu'il met le coup de pied, tu sais, qu'il monte en l'air. Là, ouais, je crois. Ouais. L'armure Blast, elle est. L'armure Blast, elle est vraiment stylée. Putain, par contre, ça va être trop fort, hein. Lui, Zamasu. Oh, il y a une histoire avec les Blast, Armor. Ouais, d'avoir un truc avec l'armure Blast. C'est quoi ça? C'est une nouvelle mécanique? En plein combo? Il cut le combo en plein combo? Il pète l'aspect en plein combo? Le moment avec les flammes, c'est trop. C'est quoi ça? Il pète, il pète, il pète. Oh, c'est trop stylé. Dieu, mais il est trop. Non mais il est. Est-ce qu'il est beau? Non mais c'est trop. Let's go! Voilà notre jeu. Perso du jeu, c'est pas possible. Ah, il est trop beau. C'est... Non mais c'est trop. Trop beau. C'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. On la pose de victoire et ça va, tu vois. Moi, je pense la pose de victoire, il y a moyen de faire mieux, mais. Oh là là. Honnêtement, les gars, le seul truc où je suis vite fait déçu, c'est l'animation, l'intro de l'Ultra. Elle est pas genre. Incroyablement ouais, incroyable. Violet, Violet, PPP sa mère. C'était sûr. Violet, Violet strike. Ça va cover Zamasu. Violet. Et il est strike les gars. Violet strike, ça va aller trop. Jauge unique, 120% dégâts, vitesse de pioche constante, percée ouais, constante. Très, il a une jauge unique aussi. Il a une jauge unique. Elle est chargée de 40% de base. 20% de. Oh putain les gars, ça Zenkai de Gogeta Blue, c'est full Gogeta Blue dans le ladder. Après, ah ouais, c'est après 60 secondes. Ah ouais, c'est long quand même. Ouais, 60 secondes c'est long. Ça dépend combien ouais, il a déjà il de base. Il a tellement de dégâts les mecs. Entre le, l'effet 1, l'effet 2 et l'effet 3, les dégâts c'est un délire. Il est déjà à 140, 170 les gars avec le premier passif. Là on est sur du déjà 170% dégâts après 60 secondes. Il perce de base la réduction. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Le cap enfin, cover change. Cover blast, hein. Oh, il a fait cover blast aussi, il a les deux. Ouais, il a les deux. Combattable sur l'SP. Mais je comprends pas le truc avec. C'est peut-être quand t'as la jauge unique de rempli, non? Tu peux pas te prendre une spé, je sais pas. C'est peut-être ça. Mais ça a l'air. A chaque fois qu'il est touché. La jauge unique, les gars, c'est comme Broly quand il se fait toucher par les attaques, il cherche sa jauge unique. Ah, c'est incroyable, hein. Putain, le nombre de teams qu'on va pouvoir faire là. Ouais, c'est ça, en fait, il contre les blasts, il contre les spé, il contre les ultimes à distance. Non, mais attends, j'ai pas compris. Les gars, la jauge unique est trop bizarre. C'est marqué slide move ou je sais pas quoi, il y a des trucs trop bizarres. Faut qu'on y revienne après. Les gars, j'ai l'impression. Que quand tu fais un move sur le c'est marqué slide move. Donc quand tu fais un move sur le côté, ça fait un contre, j'ai pas compris. Il y a un truc très bizarre. Ouais, donc l'animation de summon. Ouais, stylé. Oh, c'est stylé. Stylé. On a pas un petit plus là. Imaginez, il y a Gogeta qui arrive. C'est ce que je. Du coup, il y a pas le glacier. Non, ils ont mis background, ils ont mis que le background. Ils auraient dû, putain, dommage. C'était le meilleur vidéo de stop de l'histoire, les gars. Il est trop beau. Est-ce que vous avez vu un anti-cover quelque part en fait? C'est le seul. J'ai pas eu le temps de voir, mais. New une équipe. Oh, équipe unique pour Gogeta Blue. C'est Gogeta Blue. Ah non, c'est juste pour lui. Non, c'est juste pour lui. J'ai cru que c'était unique de Gogeta Blue. Ils vont tout lui mettre. Je le veux. Fils de main, c'est la bagarre. Oh putain. La bagarre sur Gogeta Blue Ultra, mon rêve. Mais en vrai, violet, c'est pas une mauvaise couleur parce que t'as PVP, t'as dans la fusion SV, t'es quand même fatigué. C'est pas. Mais mec, pas surtout qu'avec la 4 Zenkai de SV, c'est trop fort, ça merde. Bah, c'est oh là là, mais ça va être. Là, ça va revenir là. Okay. Ouais, ok, bon, bah t'as ça, je suis pas trop fan de jouer Gotki, genre, je suis pas trop fan, c'est genre de LBR, je suis pas trop fan. Mais... Oh putain, enfin un perso, genre tu fais, il est trop beau, sa mère est tout là. Ça. Mais les gars, ouais, depuis Gone Beast aussi, ouais. Je pense qu'on est, on a pas tout vu parce qu'on a pas vu la cover blast et on a pas vu, il y a un truc avec les slime moves là, je sais pas quoi, il y a un truc qui est bizarre, ça joue unique, il y a un truc vraiment qu'on connaît pas. Cover blast, hein. En fait, genre. Ouais, c'est le moment où il contre. Non, mais j'ai qu'à coup de pied dans les airs en fait. Ouais, après lui, j'ai qu'à coup de pied, ouais, c'est tellement beau. Par contre, la unique, il y a vraiment un truc qu'on a pas capté encore. Voilà, Gogeta Blue, je pense que tout le monde est chaud, quasiment. Ah, oh, mais là, c'est bon. C'est... Je suis saucé, sa mère, putain. Attendez, vraiment un hit ultra, là. Mais... Oh, bah, c'est largement le plus beau des ultras, clairement. Oui. Ah, bah oui, de très loin. Tellement, mais de loin, genre. Et la contre, le contre qu'il fait sur l'aspect, comment ça se stylé. Les gars, par contre, on va le redire, mais encore une bonne information quand Toshi n'est pas là. Ah. Toshi à la poubelle. On a confiance en toi, mon grand, vas-y. Allez, raid, raid du nouvel an, ça c'était normal.
Il y a pas 600 PZ d'LF, mais putain, mais. Ils veulent pas les donner leurs 600. Franchement, moi, il y a son animation d'entrée, sa pose de victoire que je trouve mid. Genre, après tout le reste, c'est incroyable. Moi, sa pose de victoire, j'aime pas trop. Après, c'est pas trop grave, tu vois, parce que c'est le truc qui passe le plus vite. Ouais. C'est surtout la pose de victoire, moi, que. Le sablier, vous avez oublié bah, le sablier. Si tu commences avec aussi. Oui. Par contre, le présenter, les gars, alors qu'il reste soi-disant. Il reste quasiment 15 minutes. C'est quoi ce délire? Ils ont vraiment mis le paquet là, par contre. Pour une fois. Et les gars, dites-vous que in-game c'est toujours beaucoup plus beau que dans la présentation. Oh non, demain ça va être incroyable. Ça va être un délire. Ah, ça va être un délire. Le perso, c'est mon perso préféré. Moi, l'artwork, c'est le plus beau du jeu. Je trouve très sincèrement. Ah, c'est... J'ai jamais vu un Gogeta Blue aussi beau. Hein. Non, c'est un effet 3D en fait sur le perso qui est trop stylé. Jamais vu un perso aussi beau. C'est la folie. La pose, elle est tellement bien choisie. Genre, je m'attendais vraiment à pas assez de pose pour un nouveau Gogeta Blue, mais elle est incroyable. Ah non, c'est. Ah oh là 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 là. Tu sais, en plus, t'as vraiment le côté où tu le vois, t'as l'impression d'avoir un. Profondeur, t'sais, un effet de profondeur de ouf sur la porte. Ouais, c'est ça, t'as un effet un peu 3D, t'as l'impression bizarre. Il est très sympa. Incroyable. Ah, je le veux. Je suis trop content, je suis trop content là, c'est trop bien, c'est trop bien. Ah bah là, c'est incroyable. Ils réussissent bien quand même les persos du DBS Broly. Franchement, c'est. Ah ouais, quand ça touche au film, même quand ça touche au film en général, tu sais, les nouveaux films comme ça. Ah, c'est le retour? Non, ouais, c'est le truc nouvel an. C'est le retour, ouais. Oh, je suis refait! Moi qui vais en Zenkai, peut-être? Ouais, je pense, ça va être ça. Non, tous ces events là pour les nouveaux joueurs. C'est dommage de pas le faire. Oh, c'est un banger, Gogeta Blue! Je m'en remets pas, les gars. Aïe, 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 putain, la folie. Et la meilleure fusion all time. J'aime quand tu me parles comme ça, je te boule. Dis bien, mon bœuf. Mais les gars, il reste un quart d'heure, ils vont dire quoi pendant un quart d'heure là? Rien? C'est trop bizarre! Par contre, les gars, c'est quoi? C'est fou. Oh, un gros Broly, il est stylé. Oh, l'artwork, il est incroyable. Là, c'est un buff. Là, c'est un buff. Oh, non, mais là, c'est la meilleure célébration. Et c'est le full power, ok. Bah, stylé. Putain, c'est stylé ce qu'ils font autour des best Broly. Franchement, ils gèrent de fou. Je pense qu'ils vont prendre les animations du violet, par contre, pas du... Oui, non, par contre... C'est positif. C'est positif. C'est... On est pas habitué. Il y a du bon, quand même. Est-ce que tu sens l'anime... Enfin, l'année 2023 avec des trucs comme ça de fou, là, je le sens bien. Non, moi, je le sens pas. Bah, j'espère, hein. Bah, ça se trouve, une nouvelle année, nouveau... Moi, je pense je m'enflamme pas quand même. ...équipe de développeurs, tu vois, c'est possible. Oh non, c'est un équipement pour la... Oh putain, c'est dans la coop encore, ils nous ont arnaqué avec ce coop là. Ah oui, mais c'est vrai que les persos free-to-play maintenant ils sont farmables dans la coop là, c'est comme ouais. Zamasu. Ah punaise, non. J'aime pas quand ils compliquent le farm comme ça. Ouais. Ouais, oui, sur un perso free-to-play ça a pas vraiment de sens de le faire. Bah, il peut plus faire de la coop, hein. c'est ça qui est chiant. Vu que c'est totalement RNG, tu peux le faire à balle et pas avoir l'item que tu veux, etc. Ouah non, mais Gogeta Blue. Il est trop beau le Gogeta, mec. Non, c'est... Je suis en train de capter, l'item de tout à l'heure, c'était pour les... C'est trop grave, c'est trop grave. Violet, ou c'était pour les fusions violets? Non, Gold Key violet. Ça va au tag, alors? Ça va aussi au tag? Ouais. Ça va rosé LF aussi. Ouais, au rosé. Après, à voir, ils donnent quoi l'item, si c'est des items bizarres comme on a eu... Putain, pour PPP, ça peut être fort s'ils ont tous leur équipement, je pense. Avec Vegeta Violet. Attends, mais ça fait pas 28 minutes, là. Mais c'est pas fini? C'est fini? Je sais pas, c'est déjà fini? Non, je pense pas. One more thing? Non, je rigole. Attends. Alors, ça fait pas 28 minutes. Ah bah il durait peut-être pas 28 minutes, les gars. Le fondu est bizarre. Oh, c'est bon. Oh, c'est une fusion. Ça y est, il y a une fusion. Oh, c'est bien. Non, nouvelle forme de Chalotte. Attends, ils vont fusionner? Ils vont là tout de suite là. Montrez-le. Oh oui, c'est ça, ils vont fusionner. Non, montrez-le. Montrons-le. C'est demain, il sort demain, les gars, il sort demain. Okay. Ça fait trop plaisir. Oh la folie, les gars, je veux revoir que j'éteins. Oh, remets-moi ce poulet carrément. Là, c'est quoi? Oh, c'est quoi ce poulet? Trop perso, raid, nouveau perso hype, voilà, c'est ce qu'on veut. Et en plus, la fusion de Charlotte Giblette, les gars. Non, mais c'est simple, efficace, c'est pas compliqué. Wow, non mais l'animation ultra, mais... Je veux qu'on voit au niveau de son kit, là, il y a un truc qui est très très bizarre. Faut qu'on relise ça. Oh là là, non, mais le mouvement, il est zoomé aussi. Il y a un effet 3D qui est vraiment sympa. T'as l'impression de perdre... Non mais qui peut s'asseoir à sa table? Wow, c'est... Non mais c'est... Il est trop beau. Non mais je pleure. Non, vraiment, même, ça va, elle est bien, en vrai, elle est bien quand même. C'est la pose de victoire, vous allez voir qu'un peu... La pose de victoire est pas ouf. Mais à un moment il fait... Attendez, faut bien qu'on regarde le truc qu'il fait sur l'aspect de Broly là. Moi je veux voir le contre-spé là.
Ouais, le contre-spé, il est incroyable, sa mère. Armure Blast. Armure Blast, ça va être tellement fort en divin. Oh, ça lui va trop bien. L'animation des ultras, ouais, les Blasts, ça lui va tellement bien, gauche tableau. Il y a un truc avec l'Armure Blast. Et là, 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 là. Mais c'est en plein combo, les gars. C'est en plein combo. Justement, justement, c'est ça qui est ouf. C'est en plein combo. En fait, je pensais que c'était la classe là, ça, mais en fait, ça se passe. Oh là là, le coup de poing, mais c'est. Franchement, c'est magnifique. C'est incroyable. C'est magnifique. Ça, c'est la verte. Oh, elle est. Ah, mais non, la verte, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est pas les mêmes animations que le LF, c'est ça qui est bien. Tout est. Oh là 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 là, l'ulti. Soul Punisher. Mais je disais qu'il manquait cette animation là. Qu'il manquait cette attaque. Non, vraiment, c'est magnifique. C'est incroyable. C'est beau. C'est délicieux. Mais quel poulet. Mais quel poulet. Merci. Oh, je suis tellement, tellement, tellement content. Je voulais... J'espère que. Alors, les excuses à quatre pattes, c'est déjà bien. Voilà, dis-moi, dégâts d'esprit, les gars, quoi. Pour les gars fusionnés, 38% d'attaque et défense strike pour les gars fusionnés. Par contre, vous avez vu sa cap Z? Elle est genre une en ligne à fusionner. Ah non, Saiyan aussi. Saiyan, ouais. Excusez-moi, parce que j'allais dire, c'est bizarre quand même. Mais pas divin, pas divin. Pas divin, ouais. Après, bon, on connaît Cap Z Ultra, donc on le jouera en Ultra. Enfin, voilà. Après, tu mets en leader. Hein. Tu vas le mettre en leader. Hein. Ouais. Oui, voilà, c'est toujours pareil. Sinon, la Cap Z Ultra, c'est pour Gaël Fusionné. À noter quand même. Si on veut pas le jouer en leader, faut le jouer en Gaël Fusionné. Du coup, obligatoirement. Je n'ai pas forcément. Oh, il a vitesse de pioche plus 2 après 60 ouais, secondes. Alors, après 60 secondes. Ça va être quasiment impossible en vrai. Moi, je veux voir s'il y a de l'anti-cover quelque part. Ouais, là, pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'a pas d'anti-cover, par contre, ça fait peur. Il en aura, il va être cheaté, je suis sûr, il va être incroyable. Par contre, l'augmentation de dégâts aussi, elle fait peur. Hein, parce qu'on a 101% de base. Après 30 secondes, on a re 30%. C'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Et après ouais. 60 secondes, on a re 30%. Ouais, ça fait 60, ça va être 180%. Ça fait 180% de dégâts sur le passif. T'as pas sa verte, t'as pas son main, t'as rien du perso. Avec les stats d'ultra en plus qu'il a. Oui. Enfin, qu'il va avoir, et puis les cap Z, mais les cap Z Zenkai, ça va. Ah, mais oui. Ah, ouais, cap Z Zenkai, ça va être un gros délire. Hein. Ouais, il va être trop fort, c'est sûr. Mais ça va pas durer 28 minutes quand j'y pense, non? Non, pas du tout. Non, ça durait 12 minutes, je crois. Non, voilà, c'est ça. Alors. Donc, cover strike, cover spé. Combo de voilà. Ok. Classique. La jauge unique se charge à chaque fois qu'on touche avec une attaque d'art à l'adversaire. C'est ça, hein? Ouais. Mmh, ouais, on est d'accord. Side step to the left or the right, receiving. Mais c'est cheaté! En fait, il annule le combo de l'adversaire si la jauge elle est remplie. Sur ouais, une blast, c'est ouais, c'est n'importe quoi. Slide moving or standing still? Sur un ultime 3 fois. Non, ah non, c'est que toi tu peux combo avec l'ultime en fait. Oui, c'est ça, toi tu peux combo avec l'ultime. Mais derrière, c'est marqué? Que tu contres aussi, enfin quand tu reçois une attaque, quand tu fais un sidestep, c'est quoi ce de... Tu contres quand tu sidestep, si le mec il t'attaque dans le sidestep, c'est trop fort. Si ta jauge unique elle est full, tu contres en fait quoi, c'est tout. C'est pas plus compliqué en que ça. Plus, hein. C'est en ça plus, que tu pioches une spé, tu régénères du kit, tu pètes une carte, donc tu peux jouer une spé derrière le contre, c'est ça? Oui. Mais c'est n'importe quoi, ça veut dire en plein combo, tu bon. Peux punir le mec alors qu'il a réussi. Alors qu'il est en train de taper. Et c'est incontrable, c'est littéralement incontrable. C'est littéralement incontrable. Attends, j'ai pas suivi, c'est quoi l'info là? Attendez. En gros, à chaque fois que son contre est activé, donc sa jauge unique est remplie, elle se vide quand tu prends un combo. Et en gros, tu vas péter une de tes cartes, piocher une spé, régénérer de 50 lucky et tu peux combo la spé. Oh, c'est complètement cheaté, hein. C'est complètement cheaté. Tu fais combo, tu peux punir le mec. Non, mais ça va trop loin là. Bah, ça veut dire qu'en gros. Et en plus, c'est. Une seule fois ça, par contre, mais tant mieux. Par contre, c'est littéralement incontrable. Ouais, littéralement, tu peux rien faire. C'est trop fort. Ouais, pardon, la jauge unique, tu peux la faire 3 fois la jauge unique. La jauge unique, elle peut proc 3 fois. En plus, ah ouais. Après, tu peux pas piocher l'aspect 3 fois, mais tu peux avoir une spé en main. Tu peux avoir une spé en main. Surtout, tu sais, genre, le côté, ça marche dans tous les cas, tu vois. C'est ça qui est trop fort aussi, tu vois. Bah, tu peux pas le contrer, c'est incontrable, quoi. Enfin, genre, c'est difficilement contrer. Tu vas pas t'arrêter. C'est-à-dire qu'à un moment, faut que tu t'arrêtes de taper. Bah, la taille de ma barre, carrément. Non, c'est, non ça, veut, ça veut pas dire ça, ça veut dire qu'au bout d'un moment, si t'es face à Gogeta, soit t'acceptes de prendre une spé, soit t'attends qu'il n'y ait plus Gogeta. Voilà, c'est. Ouais, donc si t'as. Ouais, donc tu t'arrêtes de taper quoi. Enfin, genre... En plus, ces spés vont faire très mal parce que je vois que le perso a des augmentations de dégâts de base plus des augmentations de dégâts des spés. Ouais. Donc il va taper très très fort. J'imagine que la spé a de l'augmentation sur. Waouh! Enfin, ça va être n'importe quoi en fait. Il manque plus.